Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake sur PlayStation 4. Il y a un truc qui va pas ? Oui, il y a eu un petit problème dans le repère des enfants. Toujours avec Aerith. Un homme noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un Turc ? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Le voisin dans la chambre. Par ici. Il était comme ça. Aerys is back. Oh, des carottes. Des petites carottes. Comment ça, tu vas pas me mordre? Ils jouent à quoi les enfants ici? Oh, parfois! Oh, Châtelet. Bonjour. Si tu pouvais éviter les croche-pattes aux gamins, merci. Par contre, j'ai pas regardé les objectifs des. Oh, pardon. Dépêchez-vous! Voilà, c'est ici le repère des enfants. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Mais là, c'est une urgence. Pour Châtelet, je dois faire des choses particulières, j'ai pas regardé. Allez, passe. Fais un effort. Do it, do it. Attends, on va regarder ça vite fait quand même. Analyser, ok. Des variants. Ok. Je vois. Qu'est-ce qui se passe, Hodge, les gamins? T'es enfin revenu. J'ai ramené Aerys avec moi. Ne vous inquiétez pas. On va retrouver vos amis. Oui, mais il y a plein de monstres là-bas. Tout ira bien. Cloud va m'aider. Il est vraiment très très fort. Je suis un ancien soldat. Où est l'homme en noir? Je sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Venez. Venez. Allons-y. La base secrète est en danger. Dépêchez-vous d'aller le sauver. Ils sont partis par là. Soyez prudent. L'occasion de rejouer encore un petit peu avec Aerys pour savoir si je persiste ou pas. Avec les enfants, on peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Oui, ne perdons pas de temps. Partout, partout. J'ai pas le temps. Je compte sur toi. À mon tour, c'est ça? Ouch. Du coup, elle sait quoi qu'il faut lancer? C'est sort sacré. Lancer deux fois de suite un sort offensif. Elle va juste se faire ouvrir en deux, en fait. Donc là, je peux lancer deux fois de suite, foudre. C'est de la merde. Elle a rien lancé en x2, là, qu'est-ce que... Si elle a lancé deux fois, je sais pas. Une bonne chose de faite. On prend tellement cher. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que tu te fais focus avec le perso avec qui tu joues, en fait. Donc le fait de jouer Aerys, je crois qu'elle prend beaucoup plus de dégâts que si tu joues Cloud, par exemple. On va quand même essayer un petit peu de voir ce que ça donne. Hop. Mais c'est dommage, parce que du coup, c'est un personnage qui est censé jouer à distance, mais tous les ennemis viennent te coller. Désolé. Comme là, pourquoi elle se tépait en avant? Reste derrière, madame. Regarde-moi ça! Au secours! Et puis ces trucs là, c'est bien, mais quand t'es. Quand le combat dure 15 ans. Faiblesse, glace. C'est pas le sort, le seul sort que j'ai déséquipé là. J'ai été interrompu. Je me fais gangbang, tout va bien. Sort soin, hop. Je me sens pas très bien là. Je me sens pas très bien là. Mais putain! Je peux pas bouger, qu'est-ce qui se passe? Secours! Ça va toi? Pas de bobo?
Ah, c'est la pire. What the fuck. C'est fini pour toi. Ouais, c'est fini pour toi, ouais. What the fuck. C'est fort le truc où tu lances les deux spells. Bah oui, mais bon, vaut mieux que ce soit le PNJ qui le lance, sur toi en fait. Parce que vu que là tu te fais agarre, t'as même pas le temps de lancer les spells. What the fuck. What the fuck is this? Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle peut aspirer le mana, ça c'est cool. Mais je comprends pas pourquoi elle est TP devant le guerrier corps à corps, c'est débile. Le combat se déclenche, elle va devant lui. Elle reste derrière, Moru. Je pense que ouais, c'est pas une très bonne idée de rester avec elle. Ah, ils sont là-bas. Oula. Ne te fais pas repérer. Il y a trois monstres. Bonjour les petits rats. Comment ça va les petits rats? Allez. Regarde, elle est TP devant. Mais stop it. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ils ont essayé de jouer avec elle ou pas en fait? Comme diraient les jeunes, c'est de la D. Hein. Elle peut rien faire, elle peut rien faire. C'est vraiment de la merde. Oh. Je vais ouvrir en deux, madame, en fait. The fuck. Bah, c'est vrai que là, Kibix, je comprends pas. Hein. La meuf, elle est vulnérable au corps à corps. Tu lances le combat, t'es TP au milieu de 8 ennemis. Et le guerrier, il est derrière contre 2 ennemis. J'ai de d'esquiver en permanence en fait. Et puis il craint la glace, c'est ça. Yes. Regarde là, les deux sont vers moi. Mais qu'est-ce que. Quoi, aller sur le. Le guerrier OMG là. Dommage parce que avec Barret c'est pas trop gênant parce qu'il peut tanker aussi. Tifa ça va parce qu'elle va encore à corps, c'est naturel, mais elle c'est chaud. Lui ce machin il va se relever là. Je vais quand même essayer de. On continue un peu. Hein. Pour voir. Ça y est, s'il y a moyen de dompter un peu le truc, mais ça me paraît bien compromis. Hein. Tu veux pas partir toi? Quand la foudre. J'ai fait du 2000, c'est trop fort, what the fuck. Je t'attends. Et il est où mon saut là?
Where is mon saut? Il est là. Pas sans temps à faire des roulades, j'ai fait peur. Ouch! Ouch! Mais ça marche pour les ennemis aussi? Pourquoi j'ai pris deux feux de suite là? Après il reste longtemps le truc, what? Il est encore là là. J'aime bien le principe hein. Vraiment. Regarde, j'ai quasiment... regarde, je le one shot. Qu'est-ce que... Non, le poison. Ah, il m'amute. C'est l'igour. Hein. C'est quoi ça? J'avoue, va-t'en. Est-ce que absorber du mana, ça compte? Non. Aspiration de mana, ça marche sur un robot? 2 de mana, ok c'est de la mort. C'est nul. J'en ai besoin. Par contre ça fait du 300 de dégâts, what? Encore un. Et voilà. Tu me donnes un peu d'énergie. Vol. Okay. Non mais c'est ça qui bixe hein. Il faut que celui que tu joues. Ah. Surtout qu'ils m'ont déjà fait l'autre jour. En vrai, dans la jouer en mode où elle balance deux sorts, c'est assez jouissif. Hein. Mais elle se fait trop déboîter, quoi. Hé, hey, les enfants! Attends! C'est devenu très instable un peu partout! C'est sûrement dû à l'explosion du réacteur Mako. Je m'en occupe. Allons-y. Merci beaucoup. Quelle classe. Allez, on s'en va. Le mec a une amoureuse. Bravo. Il me faut une matéria bleue, laquelle pour vous? Il y a un cloud en théorie, je peux lui équiper le truc pour provoquer. Mais bon, quand tu les contrôles pas, il leur faut 25 ans pour charger leur jauge d'ATB. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le mec il a reculé, on sait pas pourquoi. De hell. Ah. Oh non, il m'amute. Mais du coup, je peux quand même faire les compétences. Je peux aspirer ton mana. Okay. Tu me donnes un peu d'énergie. Désolé. Si fait. Ah. Il est parti vers Cloud, j'ai pas compris, il s'est retourné. Vite, cassez-vous, cassez-vous. Poussez-vous, il va péter. Comment tu fais pour être si fort? Il s'est entraîné. Cloud était soldat avant. C'est bien vrai? Tu as fait la guerre alors? C'est un secret. Il laisse de la foudre par terre, elle marche dedans. Bah à l'époque t'avais double magie et quadruple magie. Je sais pas si tu l'as dans celui-ci. Alors attends, du coup, analyser c'est des ennemis uniques ou c'est n'importe qui? Je sais pas. Je trouve qu'elle soit différente. Hein. Ne t'avance pas trop. Oh, je vais te soutenir en retrait.
Parce que là j'étais à 5, on va voir, je vais le refaire une fois. Ouch. Comme ça on verra si je suis à 6 ou pas. C'est comme ça. Je vais pas me faire allumer. Mais regarde, les trois sont sur ma gueule, mais qu'est-ce que... Monsieur, regarde-moi ça. Je vais déjà te soigner. J'ai presque plus de force. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouloulou. T'inquiète pas, je suis là. Ah ouais. Mais c'est les pires, what the fuck, hein. Non, il faut que ce soit des ennemis différents. Moi aussi, quand je serai grand, je serai soldat. C'est pas aussi facile que tu le crois de devenir soldat, pas vrai, Cloud? Mais non, tu dis n'importe quoi, hein, Cloud? Tu peux arrêter de me parler, en fait. Ce qui est sûr, c'est que t'as la cote. Bande d'enfants du démon. C'était vraiment génial. Tching, tching, tching. Oh oui, c'était impressionnant. Chling, chling, je vais où, là? Qu'est-ce que... C'est pas ça du tout. Tching, tching. Ils peuvent arrêter? J'ai où, là? Disons, Ting, Schling, d'accord? Oui, Ting, Schling, c'est ça. C'est ça, hein, Cloud? N'est-ce pas, Cloud? C'est là qu'ils étaient censés faire leur baratin. Bah oui, mais c'est fini, donc laissez-moi courir, en fait. Faut que je me suis gouré de... Mais arrêtez de... Arrête, le jeu, arrête. Elle a 1800 HP, hein. Il en a 2900. C'est pour ça aussi qu'on a l'impression que la Sphériki, elle a un tiers de moins, s'il te plaît. C'est par ici. Ah, le petit flashback. Tifa, attends-nous. Tifa. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tifa, c'est... le nom de ta petite amie? Mais non. J'ai touché une corde sensible. C'est pas ce que tu crois. Oublie. J'aurais du mal à t'expliquer. Je vois. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Je suis trop bien cachée. Je te fais trop bien. Je suis trop bien cachée. Ok. Le mec est trop bien caché. Merci. La prochaine fois que vous avez un problème, surtout prévenez tout de suite un adulte. Oui, promis. Tiens, c'est pour nous avoir aidés. Tous les deux, même si vous êtes des adultes, vous êtes nos copains désormais. Alors venez nous voir quand vous voulez. Waouh. Il sert à quelque chose ou c'est juste pour revenir Oui, c'est juste... ok. C'est pas... ok, je vois, ça sert à rien, quoi. Ok. Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. Il fait peur, hein. Qu'est-ce que... Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Attends. Il y a un homme avec les mêmes symptômes dans l'appart à côté du mien. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi un deux? Un tatouage. Mais j'y pense. Réunion. Tu n'as rien à craindre de moi. Le héros, il est célèbre. Il y a 5 ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait, il est peut-être encore vivant. Ce serait
Étonnant. Bon, allons-y. Étonnant. En réalité, comme le dit la légende, je suis... c'est quoi la suite déjà? Mon père, il m'a dit que celui qui a sauvé nos amis, c'est un ancien soldat. Ok. Au revoir. Cloud, ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire? On fait des patrouilles, tu sais. Et du coup, on obtient pas mal d'informations. Il y en a qui pourraient te permettre d'offrir tes services. J'ai bien envie de faire ça, moi. En plus, on a encore le temps. J'ai déjà un travail. Je suis sûre que tu peux en faire deux à la fois. J'obtiens pas mal d'informations. Alors n'hésite pas à venir me voir. Ah, la boutique. Bien que je vois un manque. Vous arrivez à me voir, Coupeau? Mais alors ça veut dire que vous êtes des gens hors du commun? Dans ce cas, soyez les bienvenus à la boutique Mog. Moi, je suis le gérant, Moggy. Ça vient des aventures de Momog le Mog. Un conte pour enfants, qui est très populaire. C'est l'histoire d'un esprit de la forêt appelé Momog, qui ouvre une boutique pour rendre heureux tout le monde. Exactement! C'est par admiration pour Momog que j'ai ouvert mon magasin, Coupeau. Nous autres, les Mog, nous sommes seulement visibles aux yeux des gens au cœur pur, Coupeau. Vraiment? Même quelqu'un comme moi? À vrai dire, je préfère pas répondre à cette question. Les articles que nous avons rassemblés sont tous magnifiques et uniques, Coupeau. Je vous les échange contre des médailles Mog, mais avant ça, il faut devenir membre, Coupeau. Vas-y, j'achète ta carte en carton. T'as fort, non? Si vous trouvez des médailles Mog, je compte sur vous pour venir me voir, Coupeau. Dis, Moggy, qu'est-ce que tu comptes faire avec toutes ces médailles? Je vais bien sûr les utiliser pour rendre tout le monde heureux. C'est le rôle des Mog après tout, Coupeau. C'est tout comme dans les aventures de Momog, pas vrai? Je vais d'abord voler votre coffre, si ça vous dérange pas. Continuons comme ça, monsieur le mercenaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'es vraiment très motivé. Bah oui, c'est plutôt normal, non? On fait pas ça pour s'amuser. C'est sérieux. Hein? Hein? C'est justement pour ça que je suis motivée, moi. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme ça. Ok. Merci de votre visite, Coupeau. J'ai combien de médailles? Pourquoi je vois zéro? Ah non, c'est le total. J'en ai combien en stock? Ah, c'est écrit en bas. Bâton en argent... On va prendre. Ok. Ok. Clé du cimetière. On prend. Il y a des bouquins. On monte les points d'aptitude, c'est-à-dire. C'est dur, là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour le. Pour le... l'épée? Ah oui, c'est ça. Ok. Mais tu peux les farmer au pif ou C'est à des endroits précis là. Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, Coupeau. Je sens que je commence à avoir le pouvoir de rendre les gens heureux, Coupeau. Tant mieux pour toi. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Tiens, essaie de me rendre heureux pour voir. Que je m'amuse et que je puisse rire moi aussi. J'ai pas encore assez de médailles, Coupeau. Oh là là, mais c'est grave, ça. Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, Coupeau. Attends, reste ici. Une médaille Mog, hier. Du coup... Hop, 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 hop. Ah, mais c'est de la... Après, il a une compétence intéressante, mais je suis pas convaincu. Foudre, soin, elle avait quoi du coup? Je sais pas.
Vent. Vent, vent, vent. RIP la prière. RIP l'analyse. Mais l'analyse, j'en ai besoin. RIP la vision. On s'en servira contre un boss ou je sais pas quand. Hop, voilà. Faut qu'on apprenne au moins sa compétence. Parce que le bâton a l'air d'être moins cool. Après, oui, c'est qu'on n'a pas utilisé encore les points. Hop. Tac. Hop, 55 points, what the fuck. Ah mais de toute façon on va pouvoir ajouter un emplacement de matériel, j'imagine. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Hop. Tac. Alors là par contre ça commence à être problématique parce qu'il faut choisir une... Ah! On va prendre le bonus de PV déjà, elle en a besoin, elle, vu qu'elle pue un peu la mort. Hop. On va prendre la foudre et on va économiser pour l'instant. Du coup, elle a l'emplacement pour la matéria que j'ai enlevée. Très bien. C'est pas ce que je voulais faire. Du coup, là, pour eux, c'est comme on avait fait avec Tifa, faut faire plein de missions secondaires. Pour débloquer des choses, j'imagine. Du coup, c'est quoi que je vais enlever à elle? C'était vision, mais vision, il n'y a pas besoin. Provocation. Ce serait pas mal de le mettre sur quelqu'un autre, mais bon. Chance plus 1. PM augmenté. Hop, ça peut toujours servir de up ça. Allez, où? On reste comme ça. Et du coup, attends, je vais où là? Je suis un peu perdu. C'est celle qui est par là-bas? Yes. Et Zébardi? D'accord. Alors, le meilleur itinéraire, c'est par la droite. Il faut que je pense à analyser tout le monde. I have to do it. Du coup, c'est quoi là le problème là? Excuse-moi, mais ce serait pas toi, l'ancien soldat? Tu t'appelles Cloud, c'est ça? Oui, mais maintenant il est mercenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Folia? On dirait qu'il y a quelque chose qui t'agace. Tout à fait. Tu as bien deviné. Les enfants qui sont partis faire une patrouille dans le quartier ne reviennent pas. Ils m'avaient pourtant promis de rentrer à l'heure pour la classe. Cette patrouille, c'est celle que les petits de l'orphelinat font pour remercier les habitants, pas vrai? En effet. Ils s'occupent de ramasser les poubelles ou font d'autres petites courses pour ceux qui nous ont fait un don. Les gens apprécient beaucoup ça. D'ailleurs, vous ne les auriez pas vus en venant ici? J'ai quelque chose de prévu ce soir. Et pour cela, il va falloir que je me prépare, alors je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. On pourrait aller les chercher, si tu veux. Alors ça, ce serait chouette. Les enfants partis en patrouille sont 5. Ils portent des épées factices, alors vous devriez les reconnaître facilement. Bon, je cache avec des gamins. Magie plus, je l'ai équipé ou pas? Je crois pas, l'eau. J'ai PM augmenté, mais j'ai pas magie plus. Magie augmentée, Barrette et Tifa. Non, pas du tout, j'en ai qu'un, je suis beurré moi. C'est Tifa qui a magie plus augmentée, what? Hop. Faut vraiment que je débloque des emplacements. Ah, Iris! Qu'en dis-tu? Nous avons bien décoré la maison avec les fleurs que tu nous as apportées. Oui, c'est bref. Magnifique. N'est-ce pas? Ah, mais j'y pense. Tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un de la Shinra se diriger vers chez toi, Iris. Tu sais, un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant. Rude.
Oui, mais je suis occupé là. Faut que j'aille chercher des gamins. Des fucking gamins. Avec des épées factices. Est-ce qu'il y en a plein dans l'école déjà qui est caché derrière un meuble? Regarde, ils ont fait des chocobos, des mog, des pampas et des tomberi. On dirait les dessins de Poro. C'est magnifique. Alors j'espère qu'ils vont pas être trop chiants à trouver non plus. J'ai pas envie de galérer de ouf. Alors, des gamins avec des épées. J'ai dit non. Là non. Pas un gamin en haut à un moment, je sais plus. On avait partout des gamins aussi là. Comment tu veux que je me rappelle? Nous venons juste d'avoir un gros arrivage de lessive. La lessive, waouh. Vous pourriez vérifier ça? Si vous avez des vis de S80, c'est vraiment le moment de... J'ai compris. Allez-y, choisissez. Ah mais ils sont indiqués, d'accord. Ils ont la même épée que nous, hein, what the fuck. Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Très bien. Aujourd'hui, j'ai ramassé les poubelles, indiqué le chemin à quelqu'un et accompagné une vieille dame pour sa promenade. Tu as fait plein de choses. C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici. Après tout, c'est grâce à eux que la maison feuillue existe. Oh là là! Mais il est déjà cette heure-là! La maîtresse, elle doit être très fâchée, non? Oh non! Je suis vraiment désolée! Il y en a un là-haut. Oh, vous m'avez surpris. Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Je fais tout plein d'observations. C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin. C'est donc ça ton rêve? Tu veux devenir marchand? Oui, et l'argent que je gagnerai, je le donnerai à la maison feuillue. Les adultes n'osent pas nous le dire, mais même avec les dons, la situation reste assez difficile à l'orphelinat. Oh, surtout, vous dites rien à personne. Si jamais vous cafetez, vous me devrez des guilles. Oh, c'est l'heure d'aller en classe. Et de deux. Tu vas où là? Enfin, je sais pas en fait. Je suis perdu là. Je me balade au pif. Donc là non. On va faire l'aller-retour ici. Ouh, bah tiens. Je n'avais point vu. Un peu de thune. Qu'est-ce que vous pressez, les fâchés? Les types d'avalanche. Pourquoi ça parle d'avalanche là? Oh oh oh. Mais non, mais ils sont cachés où en fait là? Ils font la queue de A3 là? Qu'est-ce c'est quoi le délire? Il y en a un là, ok. Waouh, c'est toi Cloud? Oui. Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Le bidonville est plus agité que d'habitude. Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako. Tu es très attentif, je suis très impressionnée. Mais dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Ah, c'est déjà l'heure de la classe! Je dois rentrer à la maison feuillue! J'en ai vu un autre en face. Moi aussi, j'aurais... Il en manque un. Oh, monsieur le soldat! Toi aussi, t'es venu écouter des histoires? Maintenant que des réacteurs ont été détruits, il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage. C'est la promesse que j'ai faite à Mademoiselle Folia! Il faut que je rentre à l'orphelinat! Elle m'a poussé. J'ai été poussé par un bébé. Pas là-dedans. Je pense pas qu'il y en ait un vers chez Tifa quand même. Surtout que j'ai peur que ça... Tifa, Iris. J'ai peur que ça lance la suite. Si je m'approche trop. Quoique non, 115 mètres. On va avancer un peu. Ah ouais, non mais non. Mais par contre, la clé que j'ai récupérée, attends... C'est quoi qu'ils appellent le cimetière? C'est pas ça, hein?
Mais je peux y aller, là? Genre, attends, non, ça c'est une autre quête. Parce qu'il y avait un truc de fermé ici, là. Pour où, si tu es là, je peux y aller ou pas, là, tout de suite? Je sais pas. Je sais pas si tu l'as fait, ça. Putain, il y en a un qui est caché. Mais non, mais arrête, monsieur, arrête. Pourquoi tu te caches, monsieur? Pourquoi? Why do you do this? Mmh. Moins que ce soit chez les gamins. Il peut... Ouais. Pas encore. Mais j'imagine que c'est pour là. C'est en sortant de la ville à droite. Pas du tout, ok. Nick. Enfin, en même temps, le radar me dit que je suis dedans, mais je suis pas dedans, là. Super, je me suis tapé. Oh là là. Je peux y aller quand même ou pas, là? Bah, il est là. Il est en dehors de la zone. The fuck? Oh, Cloud! Je suis vraiment très honoré de te rencontrer. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un de très fort. J'ai beaucoup d'admiration pour les soldats. On peut dire que tu es motivé. Parce que la situation est grave. Des réacteurs Mako ont été détruits. Et j'ai entendu dire que beaucoup d'enfants avaient perdu leurs parents à cause de ça. La maison Feuillue va peut-être avoir de nouveaux pensionnaires dans ce cas-là. Oui, ça veut dire que la maîtresse va être encore plus occupée qu'avant. Cette maîtresse, il se trouve justement qu'elle te cherche maintenant. J'avais complètement oublié! Je vais rentrer à la maison Feuillue immédiatement! Je vois que tout le monde est là. Rentrons à l'orphelinat. Nah, you see. Ah, vous choisissez quoi? Il est heureux. Grâce à vous, tous les enfants sont rentrés sains et saufs. Je vous remercie. Allez, c'est l'heure d'étudier, petit garnement. Le roi des crapauds est apparu. Il est très proche de la base. Il faut vite faire quelque chose. Le roi des crapauds? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète. Il porte une drôle de couronne et il est très très méchant. Si ça se trouve, c'est véritablement le roi des monstres. Mais j'y pense. Cloud pourrait le battre? Ouais, et très facilement à mon avis. Le problème, c'est que mes services sont loin d'être donnés. Mais quelqu'un. Non, on n'a pas du tout d'argent. La milice s'en occuperait gratuitement. Si d'autres adultes sont au courant, on n'aura plus jamais le droit d'aller jouer dans notre base secrète. Cet endroit, il est très important pour tous les enfants. On te donnera un trésor en échange. Aide-nous s'il te plaît. Si ça suffit pas, je te paierai quand j'aurai mon propre magasin. Si jamais tu refuses, on partira affronter ce monstre nous-mêmes. Disons 3 guilds alors. Hein? J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour 3 guilds. C'est à prendre ou à laisser. Génial! Affaire conclue! Tu dois protéger notre base secrète, d'accord? Waouh! Waouh! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, le roi des crapauds. Je trouve que c'est un boss qui va me défoncer, lui. Mais bon, j'ai Iris avec moi, donc tout ira bien. PTDR. Il est où votre roi des crapauds, là? Je vais le goumer. Pas
C'est bon quand ça s'arrête. What? Attends, il est si loin que ça là? Ouais. Ne t'avance pas trop. Je vais te soutenir en vrai. Bah, t'avances pas trop, même lui le sait qu'il faut pas qu'elle avance. Ça défonce tout. Ça t'est pas si dur. What the hell? Sérieusement? Mais arrête, arrête. Même pas forcé. Ça, c'est mon boulot. Et moi alors? Je me tourne les pouces. Tiens. J'ai encore la forme. Mieux vaut pas rester près de moi. Elle fait 800 à tout le monde, mais what? Déjà fini? C'est broken. Ah, ça va être là, j'imagine. J'en ai vu un dégueulasse là. Est-ce que j'ai le droit de fuir là? What the fuck? Comment je fais pour annuler leur truc là? Je sais pas moi. C'est le roi qui les booste. Cette croix, je suis facile. D'accord. Arrêtez, arrête. Commençons pas. On craint la glace aussi. Sans la glace, je vais jamais y arriver. Hein. Ouais, mais faut qu'elle soit au corps à corps pour lancer son truc là. Mais vise celui qui. Qu'est-ce qu'elle vise qui là? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai la tête qui tourne. C'est bizarre hein madame. C'est parce que t'es une grosse merde. Le heal. Le heal a été cancel. Super. Je vais déjà me soigner. Je me sens pas très bien. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu peux t'en charger? À mon tour. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. C'est insupportable. Pourquoi je suis resté sur elle? Putain, on a pris beaucoup trop cher. Putain, mais fous-moi la pierre. Je fais péter le cul par des crapauds là, what the fuck? Elle est où l'invocation là? Mais il saute combien de fois? C'est une mission pour de gamin, je m'attendais pas à ça, hein, JPP. Hein. J'ai pas invoqué personne là. Il craint la glace, j'ai pas la glace. Putain. Il fait zéro dégâts avec ça. J'ai pas pris le truc barrière.
J'avais rien pu voler. Je t'attends. On peut les interrompre là, je pense. Il suffit que je balance de la glace. J'ai pas de glace. PTDR. Le vol, ça marche jamais. Mais. Non mais... Un éther, ok. Pas de chance pour toi. Doux rêve. Lanterne, on s'en fout. Compétence vol. Il n'y a rien à voler. Ok. Te précipite pas. Je vais te montrer ce que je sais faire. Essayons avec ça. Et bam! C'est pas fini. Mince, j'ai pas chargé. C'est fini pour toi. Putain, j'ai galéré, what the fuck. Retourner, yes. On se voit bien que c'est un handicap de jouer avec elle. Hein. Bah, surtout que je m'attendais tellement pas à ça, je m'attendais à un combat caca. Quoi ? Du coup, j'y suis allé en mode YOLO Balera. Le roi des crapauds, tu l'as vaincu ? Ouais. Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant. Super ! T'es vraiment trop balèze ! On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça ! Ouais. Merci beaucoup ! Tiens, voilà le trésor pour toi. À mon avis, ça vaut forcément au moins 3 guilds. Dites donc, c'est pas le moment de vous amuser. Pour la peine, je vous ai préparé tout plein de devoirs. Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui. D'accord ? D'accord, comme vous voudrez, maîtresse. Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds. Tu étais donc au courant ? J'aurais dû m'en douter. J'aimerais que ce soit toujours le cas, mais c'est un peu compliqué. Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir leurs camarades ou aider les gens dans le besoin, ces gamins se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, tous les jours. De mon côté, tout ce que je veux, c'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal. Ça doit pas être facile tous les jours. On peut le dire, en effet. Malgré cela, je compte bien leur apporter tout mon soutien et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront l'orphelinat. C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre. En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci. Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts. Quel courage ! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur. J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner. Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs. Oh ! J'ai pas vu leur tourner ! Il faut que je me prépare à partir ! Ah oui, t'as prévu quelque chose. Ce quelque chose, en fait, c'est mon rêve. Encore merci à vous deux. C'est ton rêve, ok. Je me demande bien ce que ça peut être, le rêve de Folia. Ça m'intéresse pas. Merci d'avoir protégé notre base secrète. Au fait, pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux. Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base. Mais wesh. Il y a une orage de la coupe de cheveux, enfin, dictate. C'est pas des manières. Alors attends, du coup, c'est une arme à part entière ? Alors attends.
Il y a une compétence, il y a une compétence. Ok. T'as soit elle est forte hein, l'arme, PTDR. Puis regarde tous les PV que tu gagnes. What the fuck, man? Fuck the fuck. Emplacement de matériel pour 10. J'ai combien de points? Mince, je voulais pas quitter. Oh. J'ai 65 points. On a quoi? PV plus 200, résistance aux altérations, dégâts physiques. Non, défense, défense. Par contre, ça coûte cher de l'améliorer, hein. What the fuck? On va prendre 200 PV quand même. Je sais pas. Tu l'as utilisé un peu cette arme pour où? Tac. Attends. Voilà. Ça revient. Et donc ce qui me manque c'est... Car ce qui me saoule, c'est qu'il y a des matériaux qui restent, du coup je sais même pas si elles sont équipées ou pas. Ça me perturbe vraiment. Donc là j'ai quoi en matériaux, esquive offensive, PV augmenté. Bon, on va jouer comme ça pour l'instant. Hop. Yeah! Est-ce que c'est pas la classe à l'américaine? Tac. Parce que là elle booste quand même les dégâts critiques, hein. C'est pas négligeable. Du coup, on va aller voir son truc là. Bon, on retourne voir les gamins. PTDR. Et on ira faire la dernière quête secondaire qui est à l'extérieur de la ville. Et je pense que je m'arrêterai là. Pour diverses Alors. Raisons, on avait arrêté de jouer à Brise-Boîte. Mais on a enfin recommencé. C'est grâce à toi, Cloud. Oh. Ah, j'y pense. Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire. Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud. Mais... Ah d'accord, bah ça rajoute une quête. Yeah. Je suis trop bien cachée. Je suis trop bien cachée. Un jour, je serai aussi fort que toi. Oh, Cloud, tu viens au bon moment. On était justement en train de jouer à Brise-Boîte. Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes, il devient le héros de notre base secrète. Normalement, c'est un jeu réservé uniquement aux enfants. Mais puisque c'est toi, je t'autorise à y jouer avec nous. Ah! Parce que prix de participation, une médaille MOG, on est d'accord. J'aurais vraiment aimé voir un soldat jouer à Brise. On va sauvegarder. Vu que je sais pas comment on récupère concrètement les... Putain, ça fait plus d'une heure que j'ai pas sauvegardé, what the fuck. Vu que je sais pas comment on récupère les médailles, si on peut les récupérer à l'infini ou pas. Tu te débrouilles bien. Si tu veux relever le défi, dis-le. Ok. Ok. Mais comment tu connais la résistance là, celle qui fait 1500 par exemple? Ok. Boîte rouge pour augmenter le temps.
Oh my god. Mange-toi ça. Il tape à côté. T'es sérieux, gars? Mais c'est normal que... Mais... Allez là. Ça, mais c'est de la... C'est de la D. Oh putain, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps... Non, 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 non. J'ai pas les... Oh là là. Pour que je recharge la safe du coup, c'est peut-être mieux. Hein. J'avais pas vu au lieu de marcher sur une boîte là. J'ai jamais vu quelqu'un briser autant de boîtes. C'était plutôt amusant, pas vrai? Reviens jouer, hein. Bah parce que j'ai pas la dernière récompense. Attends, mais je récupère une médaille. Les gens du bidonville comptent vraiment sur nous. Ah non, mais je croyais que je payais une médaille. Pour j'avais pas compris. Comment ça y prendre plaisir? Montre-le sur ton visage et dans ta voix, alors. Il faut savoir communiquer dans ce métier, non? Je compte sur toi pour ça. J'ai cru que tu payais une médaille pour participer. Mais je peux pas le faire tout le temps, quand même. D'accord? Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Et mes services sont pas donnés, mine de rien. Mais non, parce que... Ça te dirait de jouer à... Regarde, prix de participation. Moi, je croyais que c'était toi qui payais, en fait. Tu payais une médaille pour participer. Tu peux retenir juste ça, merci. Du coup, on va pas trop s'éterniser ici. Elle est aussi costaud cette boîte là. JPP. Casse ou pas un jour là? Viens
voilà. Ça a tapé, j'espère. On a tous les points. Yeah. Désolé. Je sais pas si. Comme tu peux pas verrouiller, c'est. Hein, des fois il tape à côté, j'ai l'impression. Comme là, je crois qu'il a tapé à côté. C'est bon, on a le plus haut rang. Yeah. Donc là, à chaque fois, je gagne une médaille MOG en fait. Ouais, donc au final, tu peux farmer comme tu veux. Le seul moyen pour s'améliorer, c'est de s'entraîner. Pas vrai? Oui. Engrenage magique. Voilà. J'ai réussi à récupérer l'engrenage magique. Ah. Mais il n'y a aucun boost de stats. Mais du coup, voilà, tu spams les spells, ça te permet de charger ta transcendance. C'est pas mal en vrai. Pourquoi tu bloques alors que je touche pas au joystick? On va aller faire celle qui est à 50 mètres. Il en restera une du coup. Je suis déjà avec plus d'une heure d'épisode. What the fuck, man? Fuck out of fuck. Quoi? J'ai été attaqué par des machines de la Shinra. Celles qui ressemblent à des yeux. Il y en avait 5. Des yeux? Après ça, elles sont parties dans la ruelle de derrière. Mais elles risquent bien de venir par ici. C'est pour ça que je cherche quelqu'un pour les éliminer. J'ai bien peur que je m'en occupe. Quelle chance que vous soyez là. Ça me soulage. Quelle ces machines, chance. Elles répétaient un intrus détecté lorsqu'elles sont parties dans la ruelle. Surtout, soyez très prudents. Kirouya. Ben, on se retrouve pas là où je voulais aller, à peu près. Parce que regarde, je peux aller là. Et pour autant, t'as essayé de retourner à l'église ou pas? T'as pas essayé. Parce que je sais pas si ça se tente. Un truc détecté. Je vais essayer d'aller ouvrir le truc là-bas. C'est pas cette porte. Elle sert. Attends. Du coup, la clé que j'ai récupérée, elle sert à quoi? On va chercher Aeris? Je sais pas. I don't know. Il faut vraiment qu'on se batte? Attends, mais si je veux débloquer la compétence de Cloud. Tac. Allez. Viens.
Bye bye. Attends, mais je vais où là? Qu'est-ce que... Je crois que c'est pas là, PTDR. Bah, au point où j'en suis, est-ce qu'on ferait pas un détour pour essayer de retourner à... Goûtez donc à leur sauce douce. Ou est-ce qu'elle va me dire... non. Tu vas pas par là, Cloud. Qu'est-ce qu'on te fait? Mais en même temps, pourquoi il nous montre une matière jaune? T'as essayé à ce stade ou pas, Poro? Ou t'as essayé plus tôt? Parce que pour l'instant, regarde, j'ai pas de mur. Parce que techniquement, tu vas tout au bout, t'es à l'église. Hein. On verra. Mais c'est vrai que s'ils doivent me bloquer, faut qu'ils le fassent tout de suite. Hein. Qu'ils attendent pas que j'ai marché pendant 3 minutes. C'est pas ouf, quoi. On verra. Parce que comme apparemment en plus le jeu est assez linéaire, je sais pas si on aura l'occasion de revenir en vrai. I don't know. Bah regarde. À moins qu'il y ait un mur juste là. Poro. On va voir ce que t'as raté du coup. Non mais t'as le seum, non t'as pas le seum. T'as pas le seum, c'est chakra. T'as pas le seum, c'est la compétence de... de mort de Tifa là. Il n'y avait rien d'autre, hein. Maintenant qu'on est là. Même pas, ils ont mis la petite musique, il n'y a rien, là. Vous êtes sérieux, là? Qu'est-ce que... Parce qu'avant, tu pouvais dupliquer les matérias, mais ça prenait très longtemps, parce que le système pour XP, les matérias étaient plus lents. Et quand c'était à fond, ça l'a dupliqué. Mais ce système a disparu, donc c'est vrai que là, si tu veux un deuxième chakra, bon, bah, t'es obligé d'en récupérer un. Bon, t'en acheter un, mais au final, ouais. Non, c'était jaune, moi, je me rappelais que c'était jaune. Ah oui, non, rouge, j'aurais eu ça. A raté une rouge, what the fuck. Une super potion, on commence à buter des super potions, c'est bien. Parce que les potions, là, ça fait à peine... Enfin, ça fait encore un dixième de la vie, mais c'est pas... C'est pas ouf. Ouf, ouf. Et même là, faire l'aller-retour juste pour ça, c'est pas ouf. Hein. La faute. Faut la faute. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Les corps qui m'entourent. Il y a de la détresse. Je comprends de la détresse. Les mots. Que j'envoie tous les cris des SOS partout dans les airs. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Merci pour. On peut le garder mon nino. Et du coup, on n'était pas allé par là. Attends, il n'y a pas un shop, monsieur? De tout le bidonville, nos boulettes de viande sont les plus succulentes. Pourquoi je peux pas l'acheter? Hé, hey, dis-moi, t'aimes la musique, toi? Et il se trouve que j'ai commandé un peu trop de disques et il m'en reste pas mal. Tu voudrais pas en accepter un pour m'aider? Bah merci. La sauce sucrée épicée, c'est nous qui l'avons inventée. Ah, mais tu es un mercenaire, toi. Parce que là, du coup, il y avait la... Il y avait les Turcs, j'avais fait demi-tour. Mais je vais où, là? Ah mais ça rejoint un... D'accord. Et c'est quoi là qui est à 60 mètres là? Ah oui, c'est la mission que j'avais en cours, faut que... Ouais, d'accord, ok, autant pour moi. Dictate que j'alloue mes capacités de chanteur, je vois.
retrouver ses yeux bleus là. Où sont les yeux bleus? Bon, d'accord. Ok. Mais... Adieu. C'est nul le coup de batte comme ça là. Qu'est-ce que je prends là? Et Starfou là, tu vas te calmer le jeu. Une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite. Recule. Attends, parce que faut peut-être aussi que je... Tu peux viser quelqu'un, mais... J'ai pas envie de t'insulter, madame, mais... Laisse-moi faire. Je compte sur toi. Sur 10, ok, je les avais pas analysés. Ah, mais. Repose en paix. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Où sont les yeux? Où sont les yeux? On fonce! Oui, il faut y aller. Ensemble. Je vais te montrer ce que je sais faire. Immuniser, c'est pas lourd. Analyser. Voyons ce qu'on... Vent. Caméra sur vous. Il a plus heal. Ah merde. Je vais déjà te soigner. Mais putain. Mais elle bouge plus, pétasse. Pardon. Bonsoir. Tout va bien. Mais putain, verrouille le même. Oh bordel de merde. Tu me fais chier, Iris, là. Comment j'ai pu laisser faire ça? T'es pas paré, monsieur, en fait. Mais ouais, mais j'ai rien, putain. J'utilise que de Phoenix. Ah mais il en balance, putain. Je vais me taper un game over, hein. Ça se présente mal. Ouais, j'ai pas le soin, putain. Starfou là. C'est infernal. Ça va. Et elle a le soin faible, elle a pas le soin renforcé. Je t'attends. Et ça, je le brise comment ça en vrai? Il a bugué. Souffle bienfaisant.
C'est parce que j'ai mis une épée de merde et du coup j'ai pas les... J'ai plus la matériel de soin, c'est insupportable. Compétence, volée. Mais tu peux faire un effort quand même au bout d'un moment ou non, ça te fait chier. En fragilité. À mon tour, c'est ça? Deux secondes. Quoi, immunité? Ça va de ton côté? Allez, meurs. C'est bon. Mais oui, c'est plus hard que les boss, s'il te plaît. Le problème c'est que tu t'y attends pas, parce que les boss, tu souffres, c'est long, mais ça passe. Et tu tombes sur ça, vous... J'y vais sans matéria, sans rien. What the hell? Du coup on en est à combien? 8 sur 10, et ça c'est fait, ok. Faut que j'en analyse encore 2. Et... Oh, je suis qu'à la moitié de désordre, oh là là. Ah mais j'ai failli mourir quand ils étaient 3, là, c'était chaud, hein. Entre Iris qui se fait ouvrir l'anus par tout le monde. Mais je fais zéro dégâts? Non? Pourquoi cette arme de merde? Pourquoi ils sont morts de quoi? What the fuck? Et j'ai oublié d'utiliser ma compétence bravo, alors que c'est le seul intérêt de jouer cette arme. J'ai pépé. Je trouve surtout des cibles à scanner là. Le problème c'est que j'ai pas voulu scanner au début alors qu'au final t'en as besoin. Attends, je vais où là? Hein? Attends, c'est pas fini? Attends, quoi, comment on regarde les... Ah, il y en a 5. Ah, mais va savoir où ils sont. Hein. On sait rien où ils sont vos yeux. D'ailleurs, matéria. Attends. Hop. C'est embêtant, ça. Adieu. Tu pourrais te faire bouffer le cul, madame? Ça va pas être là. Ah, quoique. C'est peut-être une arène, ça. Donc. Est-ce qu'il y a des yeux bleus? Non. Je suis en dehors de la zone. Je sais pas à quoi ça servira, ça.
Faudra sûrement revenir à un moment donné. Allez, hop là. Je sais pas où ça peut être. Si j'ai l'impression d'être perdu alors que c'est juste un couloir, des couloirs qui tournent dans tous les sens, des couloirs quand même. Ça, quel plaisir. Ça peut revenir là où j'étais tout à l'heure. Yeah, oh yeah. Ah bah ils sont là. Ok. J'ai pas pris le chemin le plus rapide parce que j'ai fait en gros tout le tour. Pire arme du monde. Tac. Oh mais il est trop mobile, il a esquivé le vent, s'il te plaît. C'est chiant, monsieur, enfin. En même temps, c'est Omega Crush, madame. Non, on peut rien faire pour toi. Le machin t'enlève 900 HP, mais elle se met pas en garde. Je vois rien avec la caméra. Mais un portable, hein. Aerys, protège-toi, je t'en supplie. Aerys. Tu peux avoir ta compétence, Aerys, s'il te plaît? Le fait que ça cancelle. Oh putain. Elle se prend trois trucs dans la gueule pendant que je peux pas la contrôler. C'est de la merde ça. C'est de la merde parce que ça consomme le l'ATB en fait, c'est chiant. Et tout ça parce que j'essaie de spammer un putain de vol. Incroyable. Tellement chiant de faire. Tiens, cadeau. C'est insupportable, hein. Je leur balance une grenade, ça les touche pas. Insupportable.
peux mourir, s'il te plaît? Oh my god. Vas-y, essaye. C'est des vieux yeux qui volent là. Fini de jouer maintenant. Vas-y, m'a saoulé. Je vais t'exterminer. Putain. C'est pas croyable. What the fuck? Et puis j'ai spammé combien de fois le vol là? Pour pas que ça marche là? Starfou là, Amdoulila. Putain, c'est la faute de Poro ça encore ça. Oh. Et on est en normal hein, il y a un mode difficile après, hein, quand on finit le jeu, je crois, enfin je pense. Ça va Iris? T'as pas l'air dans ton assiette. Ah, vous êtes revenus. J'imagine que vous les avez détruites. C'est pas normal qu'on trouve ces machines dans le bidonville. À coup sûr, c'est parce que le réacteur a été détruit. À mon avis, elles pensaient patrouiller dans le réacteur Mako. Et elles ont dû croire que j'étais un intrus à éliminer. Ouais. Elles sont incapables de comprendre leurs propres actes. C'est vraiment triste. Mais bon, on peut en dire autant de tout ce qui vient de la Shinra. Machine ou humain, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, le plus important, c'est que ce problème a été réglé. Si jamais il devait vous arriver un autre pépin, surtout n'hésitez pas à faire appel à Cloud. Ah, d'accord. C'est vraiment une chance que vous ayez été là. Je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous demander un autre service. Devant la boutique d'armes, il devrait y avoir un vieil homme un peu déprimé. Vous voudriez bien aller lui parler? Donc on a fait deux quêtes qui ont relancé deux quêtes, ok. En fait... Tu peux t'asseoir s'il te plaît? Merci. Newty Tuff, quoi? Attends, quoi? Newty Tuff, c'est bien qui je pense? Je sais pas, je l'ai jamais vu en débardeur. Je peux pas te dire. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. Nice. Nagusu. Enchaînement magique. Attends, quoi? Matéria permettant de lancer un sort de la matéria associée sur l'ennemi que le chef d'équipe a attaqué avec une commande. Genre... le tir de... D'accord. Bah, j'achète de toute façon, mais... voilà quoi. Genre j'utilise l'Uppercut avec Tifa, si je mets ça sur Cloud. J'espère que vous continuerez de m'aider. Cloud en lancera la magie associée. De combat. Il passe ses journées à nous rabâcher ces histoires de réacteurs Mako. J'espère que quelqu'un fait des rondes pour porter secours à ce combat. Je sais pas. Je me suis reposé ou pas? Oui. Il y a un monsieur déprimé là, bonjour. Oh, c'est donc toi, le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma femme. Ah. Mais je suis incapable d'aller sur sa tombe. C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses. Dis-moi... Est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place? Ça me dérange pas. Je te remercie. Le cimetière est en bas de la rivière. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit, clé, c'est bon. Il est probable que la porte ait été fermée à clé. C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures. En bas de la rivière. Dis, la clé du cimetière, on l'a bien obtenue à la boutique de Mogi, non? Harry, c'est une chouette fille, ok.
comprends. Excusez-moi, je crois vous reconnaître. Vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas? Ouais. Je me présente, je suis Damon, reporter pour le journal de l'énergie, à votre service. Le journal de l'énergie? Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans. Mais non, vous vous méprenez. Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Enfin bref, c'est bien que vous soyez là, car j'aurai un tout petit service à demander à Monsieur le mercenaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'ange gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité? Non. Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux. Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin. L'ange gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bon jour. C'est Robin des Bois. Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime. C'est une menace à l'ordre public. J'ai donc décidé de dévoiler son identité. Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations. Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi. J'ai donc eu une idée. Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place. Non. On est obligé de le faire ? Et dire que je pensais que la guerre était enfin terminée. Le Wutai est vraiment implacable, je trouve. C'est qui parle ? C'est qui ça ? Ah, bonjour Mireille. Ça faisait un bail à Iris. J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre. C'est pas la voix de Michonne ? Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier. Lui, c'est Cloud. C'est un ancien soldat. Il est très très fort. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Iris, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie. Ah. C'est exact. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux. C'est pas pour lui qu'on fait ça. Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt. Rien de plus. Eh bien voyons, toi aussi tu es tombé sous le charme de l'ange gardien alors. Ça tombe bien, j'ai justement de nouvelles informations. Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi. Et allez donc chercher ce journaliste. Certains enfants vont même travailler pour Don Corneo. Ah, ça commence à parler de Don Corneo. Quoi ? Tu l'as déjà vu pour ou pas encore ? Alors, il y a du nouveau ? Dites, vous connaissez Mireille ? Elle va nous donner des informations toutes fraîches. Mais oui, Mireille ! Cette femme qui sait tout ! Okay, moi aussi, j'ai tout essayé pour qu'elle me parle. À chaque fois, elle m'a évité. Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte ? Imbécile ! C'est juste un caprice de vieille femme. S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis. Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard ? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces ? Pas du tout. J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache. Son repère ? Mais c'est sensationnel, ça ! Vous savez où il se trouve ? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière. C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Le plateau d'observation, vous dites ? J'y vais immédiatement ! Mais c'est pas tout. Il y a une autre rumeur aussi. Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Hein ? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses. Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout. C'est-à-dire que... Et tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle. Le béaba du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir. Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider. Pas vrai? Dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services. Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi? Tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Ah. Oh.
Je vais juste retourner tout là-bas. Ok. Mais je vais le faire tout de suite. Hein. Comme ça, la prochaine fois, on pourra enchaîner directement avec la rencontre de Rude chez Aeris. Du coup, toc, toc, toc. Et on longe. Ok. Ah. Donc ça, théoriquement, Juzo l'a pas fait. De ce que j'ai compris. Arrêtez de parler d'Aeris, wesh. Genre, c'est la coqueluche du bled, là. C'est bon. C'est bang, hein, ça suffit. Pourquoi je garde cette arme de mort, là? Aïe aïe aïe. Il faut plus d'emplacement, là. Faut que j'équipe des choses. Ah. Je pense que ça craint le feu. Faisons le ménage. Désolé, on est pressé. Ça va aller. Ouch. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais putain, elle esquive rien, cette chouin. Tu peux faire semblant, madame, au moins. Elle craint la glace. C'est pas vrai. Tu peux me remplacer un petit peu? Essaye de placer ton spell, madame. Si t'y arrives, je pète des armes. Nice. Oh, mais il m'attaque sur le côté là, wesh. C'est pas gentil ça. Ils craignent tous la glace ici. Là. Peut-être que je me soigne un peu. Voilà. Vol. Et le dernier. Désolé, j'ai besoin de souffler. Rien ne m'arrêtera. T'es foutu. Mais laissez-moi le bourrini, il est en état de choc. Je sens sans pitié. Je vais endormir au moment où je vous lance. C'est une blague. Allez, Aeris, tu crois ? Mais ouais, mais j'ai pas. Avec deux persos, t'as pas les. J'ai pas les trucs pour me soigner du poison, j'ai pas le vent, j'ai la glace, je pense qu'il me faut la glace. Elle a besoin de soins parce qu'elle pue la mort. Le sommeil. Je me sens pas très bien. Je peux pas lutter. Il faudrait peut-être que je me soigne un peu. Voilà. Je me sens tout C'est horrible. Faut pas que je dorme. Tout le monde dort, super.
Bah bonne nuit, hein, à demain. Hein. Tu peux bouger, madame. Cracher dessus H24, c'est horrible. Elle va crever. Il faut que je sois forte. Deux secondes. Tu vas, ouais, tu vas crever surtout. Mais stop dormir, OMG! Oh là là! Je vous souffle dans les oreilles là. Elle va mourir avant. Je peux te laisser faire? J'ai pipi, elle va crever. Elle va crever. Allez là. Le heal qui a été cancel, putain, mais non. Laissez-moi juste balancer l'huile, s'il vous plaît. Faut pas que je dorme. Allez, Iris, tu crois ? C'est insupportable. Essayons d'en finir. Il bouge plus, hein. C'est celle-là. Ah ouais, mais je peux pas équiper le sérum, je peux pas équiper tous les éléments. Cloud, tu pourrais faire une prière toi aussi. Non, c'est bon. Retournons plutôt voir l'homme. Ah, quoique. J'aurais pu aller faire l'autre mission. Je dois me retaper la route. Mais là, ouais, les combats sont tendus. Hein. Vu que je peux pas avoir les 4 éléments de base, je peux pas équiper poison, je peux pas équiper le matériel pour se protéger. Ça. Voici votre récompense. C'est chaud les marrons. Pour tout vous dire, je dois beaucoup à cet homme. Et puis maintenant, je vous dois beaucoup, à vous aussi. Voici un gage de ma gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Ok, Newty Tuff. Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse et nous avons prié pour vous. Oh, je vous remercie tous les deux. Grâce à vous, je me sens beaucoup plus serein désormais. À vrai dire, j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe. Mes vieilles jambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant, voyez-vous. Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois.
C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu me parler. Je pense que là où elle est, ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux pour tout ça. Ne dites pas ça. Voici la clé du cimetière. Rendez-la à Moggy. Mais vous savez bien que je n'ai plus la force de faire ça. Oui, allez la rendre vous-même. Je veux bien, mais ça vous coûtera 5000 guilds. 5000 guilds ? L'argent, l'argent, vous ne pensez qu'à ça. Très bien, j'ai compris. Je n'utiliserai plus jamais vos services. La clé, je vais aller la rendre moi-même. Oh, mais quelle misère ! Voilà donc le monde que la Shinra nous promet. Ok. Du coup... Il nous manque un truc à analyser. Là, c'est l'inverse. Beaucoup de résistance physique. Un quatrième. Peut-être on va pouvoir ajouter de matériel, je sais pas. Ça coûte 12. Emplacement de matériel, yes. On verra plus tard. Là, l'important c'est d'avoir une matériel en plus sur cette arme. Tac. Bah, je vais mettre remède. Hop. Ok, on va aller faire la dernière mission. Comme ça, pour le prochain live, on pourra attaquer directement la suite de la quête principale. Après, pour eux, à la limite, ça, j'aurais pu le faire en off. Hein. Le problème, c'est que je sais pas si, genre, à la fin, il y a une séquence avec, avec Aerys, comme on a eu avec Tifa. Parce que si c'est juste pour faire des quêtes comme ça, ça, je peux jouer de mon côté. Ça me dérange absolument pas. Attends, niveau arme pour Micheline aussi. Les deux sont maîtrisés, bon bah ok. On va par où? Par là. Go go go! Go 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 go. Putain, on va vraiment tout au bout en plus là. Attends, mince, ça m'a remis... Ok. Si j'ai bien lu la carte, c'est par là. En bas ou en haut par contre là? En haut c'est le truc qui est fermé avec les symboles dorés là. Et le dragon. Ça m'intrigue, je sais pas du tout. J'ai pas le temps. Bon, si je fais un enchaînement rapide. C'est bon, ça l'a libéré. Ok. Trop facile. Ouais. Il était juste en train de se faire manger. Mais il était caté. Alors, je sais pas si on repart sur un combat compliqué. Donc là, j'ai de quoi soigner les altérations d'état, mais tu vas voir, c'est pas ce qu'il me faut. J'ai vu pire que ça. Allez, ensemble. La foudre, immunisé au sommeil et au poison. Prendre résistance, légère résistance, il n'y a pas de détails, ok. Mais d'où ça me touche, Starfou là? Ah!
Celle qui a foudre. Je peux pas vérifier du coup. On va mettre le sceau sacré sous mes pieds. Essayons avec ça. Cloud, on va voir s'il peut voler. Rien à voler. Tellement fort si tu es tranquille pour placer ça. The fuck. J'ai dit si j'étais tranquille, alors en fait laisse-moi. En garde, il a pris 800. What the fuck. Fuck. Bien sûr, ça crame le les MP. Hein. Il y a pas le double spell ? Quoi ? Ah. Nice. Ben voilà. Pour commencer, inspectons les environs. Voilà, dans une grande arène comme ça, tu te fais pas agarre, ça va. Hein. Hop. L'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens. Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin. C'est une carte d'avertissement de l'ange gardien. Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin. Rentrons et faisons notre rapport. Il veut nous voler nous. Nous, alors qu'on est là pour sauver la planète. Enfin, je sais pas. Parce qu'il a laissé la carte, je sais pas si elle nous était adressée. Ah, ça fait déjà 3h10 que je live. Ouloulou. Je pensais pas que ça allait être aussi long à cet endroit-là. J'y crois pas. C'est une carte d'avertissement. Il n'y a pas le moindre doute possible. C'est une vraie. C'est bel et bien une carte laissée par l'ange gardien. Hein? C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes? C'est une grande découverte. Il n'y avait pas d'autre indice? Tiens donc. On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte. À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra, j'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège. Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire. La prochaine fois, ta curiosité pourrait bien te jouer des tours, alors fais bien attention. C'est un avertissement de l'ange gardien qui m'est adressé à moi. Si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie. Tout ça, ça aurait été de ma faute. J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant te rendre service et en partageant ces informations avec toi.
Ne vous en faites pas. En fin de compte, il ne m'est rien arrivé, vous savez. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidonville. L'ange gardien a envoyé un nouvel avertissement. Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market. Don Corneo. Bien fait pour lui. Le Don, c'est pas n'importe qui. Cette histoire risque de faire des remous. Vous, là-bas, dites-moi plus, s'il vous plaît. J'aurais dû lui demander de me payer. Tiens, prends donc ça. Y a rien de mal à ce que tu l'acceptes. De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste. Va pas croire que je l'ai volé, hein? Je l'ai juste gardé pour lui. Tu m'as impressionné. Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire. Du coup, elle nous a donné quoi? Ça s'affiche pas. Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer. Yes. Il s'est passé autant de temps? Oui, c'est parce que tu acceptes beaucoup trop de travail, à mon avis. Forcément, comme ça paie pas des masses. Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai? C'est donc normal. Allez, on rentre. Yes, mais ce sera pour la prochaine fois. Moi, je vais pouvoir m'arrêter là. Ça fait quand même un épisode de 2 heures. Je vais peut-être couper en deux ou pas. Je verrai s'il y a moyen. Parce que je sais plus si au début, il y avait quand même du scénario. Ou si j'ai fait 2 heures non-stop de secondaire. Je me rappelle pas. On va quand même regarder les récompenses. Chez Mr. Chadley. Cloud, merci pour votre coopération. J'ai du nouveau en matière de matéria. Yeah. Qu'est-ce qu'il a cette fois? Garde renforcée. Ah. Augmente un peu la TB, ça c'est pas mal. Tu restes en garde et du coup... Ouais. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports. Ah mais il a plus rien à me donner là. Peut-être à la prochaine rencontre alors, je ne sais pas. Anyway, j'arrête là pour aujourd'hui, donc je vous dis bah, merci d'avoir regardé. Et puis bah, à la prochaine pour la suite. Où on embrayera sur le scénario. Voilà, voilà. Ciao, ciao.